Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. Les Grecs vouaient un culte au corps, à la performance et au mythe. Au sommet de l'Olympe, au gré des nuages, les dieux bâtissaient des épreuves pour les mortels les plus courageux. Au rythme des voyages initiatiques aux rives de la mort, des mots et des prédictions, certains élus vivaient plus que les autres. Lorsqu'au chant des sirènes et des pas des cyclopes, les plus érudits ont péri, la transgression d'un interdit a construit les exploits homériques qui se chantent aujourd'hui. Le tennis moderne a troqué centaures et minotaures pour Djokovic, Nadal et Federer. Trois épreuves sur lesquelles la plupart ont échoué. Si l'échec fait partie du chemin et construit les marches vers son destin, l'un d'entre eux échoue mieux, le meilleur des autres. Stanislas Wawrinka. Puissance, timing, attaque. Wawrinka dispose d'un grand sens du jeu pour développer son jeu d'attaque redoutable, qui fixe ses adversaires. Agressivité qu'il mêle à une grande endurance qui mènera Roger Federer à le surnommer Stanimal. Malgré un excellent service pouvant atteindre 234 km/h, sa surface de prédilection est la terre battue, mais il saura faire évoluer son jeu pour remporter ses plus belles batailles sur dur, tout comme son coup droit, point faible de son jeu qui sera bonifié avec le temps. À l'aide de son revers à une main que John McEnroe qualifie de plus puissant du circuit actuel, il construit son jeu d'attaque de fond de court pour avancer dans le terrain et dicter l'échange avant de conclure souvent par son revers long de ligne. À ses débuts, le jeune Stan joue pourtant avec un revers à deux mains. C'est à 11 ans que Dimitri Zavialov, son entraîneur, qui l'accompagnera jusqu'à ses 25 ans, le fait passer au revers à une main. Né en 1985 à Saint-Barthélemy, près de Lausanne, Stan est élevé par un père d'origine polonaise et une mère suisse, dans une fratrie de 4 enfants qui baignent dans le tennis. L'aîné deviendra professeur, les deux sœurs joueuses de tennis, et Stanislas, vainqueur de Grand Chelem. Grand espoir vaudois, Wawrinka passe professionnel en 2002 à 17 ans, remporte des tournois Challenger et Roland-Garros Junior en 2003. Mais il a du mal à confirmer sur le circuit principal et perd ses 6 matchs en 2004. 6 défaites qui marquent la carrière de Wawrinka, Wawrinka se construit dans l'échec. L'année suivante, Stan éclot, aux yeux du circuit professionnel. Une victoire en Coupe Davis contre Andy Murray et 2 troisième tours à Roland-Garros et à l'US Open lui permettent d'atteindre la 55e place mondiale. Il remporte son premier tournoi ATP à Umag en 2006. Cette année-là, il réalise quelques coups d'éclat en battant notamment David Nalbandian, alors 4e mondial. Alors qu'il navigue autour de la 30e place mondiale, Wawrinka atteint sa première finale en Masters 1000, à Rome en 2008, mais trébuche sur la dernière marche contre Novak Djokovic. Une année qui le verra remporter son premier titre majeur, aux côtés de son aîné, déjà multiple lauréat en Grand Chelem et grandissime numéro 1 mondial, Roger Federer. A eux deux, ils gagnent la médaille d'or en double aux Jeux Olympiques de Pékin. Malgré une 13e place mondiale, un léger trou d'air suit en 2009, avant un regain de forme en 2010, un peu plus de 5 ans après son premier Grand Chelem, à 25 ans. Wawrinka atteint son premier quart de finale à l'US Open en écartant Andy Murray au 3e tour. Il enchaîne avec un quart à l'Open d'Australie en 2010, qu'il perd contre son compatriote Roger Federer. S'ensuit encore une fois une période compliquée, qui ne confirme pas son passage de cap. De nombreuses défaites en Grand Chelem, parfois au premier tour, parfois contre les trois monstres, parfois contre des joueurs de sa trempe. Certaines défaites résonnent plus fortes que d'autres. Désigné porte-drapeau de la Suisse au JO de Londres en 2012, Wawrinka est éliminé d'entrée par le favori du tournoi Andy Murray. Comme souvent avec Stan, le temps de gestation est plus long. Peut-être n'est-il pas de la même espèce que les plus grands champions de son sport, qui se taillent alors la part du lion, mais il n'est sûrement pas non plus de la trempe des autres, du troupeau qui se partage les miettes. Cet animal opère sa mue, les épreuves sont nombreuses, font partie du récit initiatique du second Suisse, prêt à gravir l'Olympe. 2013 ou l'année des plus beaux échecs. Wawrinka débute par un 8e de finale à l'Open d'Australie,
qu'il perd dans un match d'anthologie contre Novak Djokovic, alors numéro 1 mondial. Plus de 5 heures de jeu pour une défaite en 5-7. 6-1, 5-7, 4-6, 7-6, 10-12. Premier échec. Il enchaîne avec le plus long match en double de l'histoire de la Coupe Davis, 7h02, contre la République tchèque, mais perd également en 5-7, 22-24 dans la dernière manche. Deuxième échec. Il atteint ensuite la finale du Masters 1000 de Madrid, mais perd contre le roi de la terre battue, Rafael Nadal. Troisième échec. Vient enfin le dernier tournoi du Grand Chelem, l'US Open. Stan atteint les demi-finales pour la première fois de sa carrière, en écartant Andy Murray, en quart, en 3-7 sec. Il retrouve Novak Djokovic pour le remake du 8ème de finale de l'Open d'Australie. Cette fois, Wawrinka entame le match de manière époustouflante. Stan the Man étouffe Djoko. Revers long de ligne, variation, rythme infernal. Il remporte le set 6-2, mais s'incline en 5-7 avec plus de 4 heures de jeu. 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 4-6. Acclamé par le court Arthur Ashe, Wawrinka subit son 4ème échec fondateur. Ashe qui a été impeccable dans ce dernier jeu. Là vraiment, on a parlé d'expérience au début, on avait eu raison parce que c'est vraiment un jeu maîtrisé incroyablement par le numéro 1 mondial. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue mieux. Cette formule de Samuel Beckett, Wawrinka l'a ancrée au plus profond de lui, tatouée à l'intérieur de son avant-bras. Toujours plus proche de la victoire, comme Ulysse, Stan sait, au fond de lui, que chaque épreuve le rapproche de son Ithaque, une victoire en grand chelem. 8ème mondial, première participation et demi-finale au Masters de fin d'année, Wawrinka, à 28 ans, est arrivé à la maturité sportive. Débute alors l'Open d'Australie 2014. Il atteint les quarts de finale après avoir écarté Robredo pour un nouveau remake face à Djokovic. Après deux défaites en 5-7 face aux Serbes, Wawrinka bat le quadruple champion des lieux en 5-7, 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7. Un premier verrou brisé. Éprouvé par les crampes ressenties en quart, Stan n'est pas en reste. Il écarte ensuite Tomas Berdych en demi-finale en 3h31 pour atteindre la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Un deuxième verrou brisé. En finale, il retrouve Rafael Nadal, alors numéro 1 mondial, un Nadal blessé, qu'il bat en 4-7 pour décrocher son premier titre du Grand Chelem, devenant le premier vainqueur du Grand Chelem depuis 2009 à ne pas faire partie du Big Four, et le premier à battre Rafael Nadal et Djokovic dans un même tournoi du Grand Chelem. Il devient également numéro 1 suisse, place qu'occupait Roger Federer depuis 13 ans. Wawrinka n'a pas échoué, Stan a gagné, avec la manière. Les lauriers en auréole dans la lumière des projecteurs. Sur son nuage au sommet de l'Olympe, Stan remporte son premier Masters 1000 à Monte Carlo en battant Roger Federer en finale. Il atteint la 4ème place mondiale et remporte la Coupe Davis, toujours avec son aîné, face à la France. Il apporte des points précieux à la Suisse en battant Tsonga dans le premier match. Tête de série numéro 4, il aborde l'Open d'Australie 2015 en tenant du titre, atteint les demi-finales pour un nouvel épisode du classique contre Novak Djokovic, qui est, selon lui, le membre du Big Three qu'il préfère jouer. I think for sure part of the Big Three, Novak, Rafa and Roger, is Novak is the one I like to play the most, even though I lost many, many times. I feel the best against him. And I think I got lucky and to pick in Grand Slam for a few years now, and that's, I know that's also in five sets. I feel like my game and the way I play against him, it's where I can be the most dangerous. Cette fois-ci, le Serbe s'impose. Ce n'est que partie remise. À Roland-Garros, sur sa surface de prédilection, Wawrinka arrive plein de confiance, sûr de sa force. Il débute parfaitement son tournoi et retrouve Federer numéro 2 mondial et réalise l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Une victoire en 3-7 lui ouvre les portes de la demi, un match couperet dans une édition où Nadal n'est plus là. Les dents rayent l'ocre parisien. Un Français habitué des grands rendez-vous, finaliste de l'Open d'Australie en 2008, se dresse sur le chemin du Suisse. Joe Wilfried Tsonga.
Wawrinka sauve 16 balles de break sur 17 subies et remporte le match en 4-7 disputé. Tsonga a laissé passer sa chance, pas Stan. En finale, c'est une nouvelle fois Novak Djokovic qui se dresse sur sa route. Une finale aux allures d'unique chance de victoire à Roland-Garros pour Novak, pour qui le grand chelem parisien est le seul qui manque encore à son immense palmarès. Mais Wawrinka, habillé d'un short douteux à carreaux aux allures de porte-bonheur, l'entend d'une autre oreille et écrase physiquement et tennistiquement le Serbe. 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Un set pour se roder et Wawrinka l'emportera, laissant Djokovic en pleurs lors de la remise des prix et l'empêchant de faire le grand chelem calendaire. Everybody talk about that shot since I put it. I quite like it. I enjoy it, that shot. Apparently, I'm the only one, but it was just like that because I know a lot of people talk about it, and it's quite funny that he won the French Open. Il achève sa saison par une nouvelle demi-finale à l'US Open et au Masters de fin d'année. À chaque fois, il bute sur Roger Federer. L'année suivante, Wawrinka confirme avec une nouvelle demi à Roland et un parcours sublime à l'US Open. Malgré des débuts poussifs et un match gagné en 5-7 face à Daniel Evans, il écarte Del Potro et Nishikori avant d'arriver en finale contre Novak Djokovic. Sa victime ou son bourreau préféré en fonction de l'étape de sa carrière. Wawrinka se présente fort de ses 10 finales consécutives gagnées, dont 2 en Grand Chelem. Une finale en 4-7, remportée de main de maître par Stan Imal. Encore une fois, un set pour se roder avant de dérouler. 6-7, 6-4, 7-5, 6-3. Cette défaite marque le début d'une légère descente aux enfers pour Djoko. Solidement installé dans le top 5 mondial, Wawrinka est encore présent dans le dernier carré de l'Open d'Australie 2017 et atteint la finale de Roland-Garros en écartant Andy Murray en demi en 5-7, mais se fait écraser par Nadal, qui revient très fort après sa finale mythique de l'Open d'Australie contre Roger Federer. Une défaite sèche en 3-7, 2-6, 3-6, 1-6, ne permettant pas à Wawrinka de gagner sa quatrième finale sur 4 en Grand Chelem. S'ensuit une période de galère pour Stan, qui doit se faire opérer du genou et mettre un terme prématurément à sa saison 2017. Il revient difficilement en 2018, avant de reprendre du poil de la bête en 2019. Cet animal atteint à nouveau les quarts de finale à Roland, après avoir offert aux spectateurs un match épique en 5h09 face à Stefanos Tsitsipas, futur finaliste du tournoi. Blessé, mais pas tué, cet animal bute contre son compatriote Roger en quart. Il atteindra à nouveau les quarts de finale à l'US Open et à l'Open d'Australie en 2020. La fin de carrière est jalonnée par le Covid, les instapéros avec Benoît Paire et les blessures qui l'empêchent de revenir au plus haut niveau. Du haut de ses 36 ans, Wawrinka comptabilise 3 victoires en Grand Chelem, dans 3 Grand Chelem différents. Autant qu'Andy Murray. Une trajectoire unique qu'il aura vu devoir attendre son 35e Grand Chelem pour franchir le cap des quarts de finale, pour atteindre 9 demi-finales sur les 15 suivants, dont 4 finales et 3 titres. Chaque titre saupoudré de victoires de prestige sur le Big 3. Un homme des grands rendez-vous qui a triomphé des numéros 1 mondiaux sans se soucier de leur classement. Ni opportuniste, ni attentiste. Wawrinka possédait tout. 2 coups majeurs, dévastateurs et un physique de bête. Il ne lui manquait que la dimension psychologique, celle dans laquelle il se persuade que ses armes le mèneront à la victoire finale. Écorché par les échecs répétés, Stan a su opérer sa mue sous l'alignement des planètes pour observer les étoiles aux côtés de ses semblables.